Les amis, l'heure de la révélation du Graal est arrivée. Le Graal, qu'est-ce que le Graal? Tout d'abord, à l'époque de la crucifixion, le mot Graal n'existait pas. Puisque le Graal, en tant que mot, apparaît dans la langue entre 1170 et 1180. Donc, nous remplacerons le mot Graal par réceptacle, vase ou récipient. Autrement dit, toute chose capable de recevoir. Lors de la crucifixion de Jésus, nous observons sur la plupart des tableaux Jésus sur la croix, puis Marie-Madeleine recevant le sang de Jésus dans le réceptacle. Question. Pourquoi Marie-Madeleine reçoit-elle le sang de Jésus? Alors, ce qu'il faut comprendre est que dans ce cas présent, le sang représente la vie. Donc, nous avons un réceptacle avec la vie représentée par le sang. Si nous regardons au-delà de ce que nous montrent nos yeux, on ne voit plus un réceptacle. Qu'il soit en bois, en or ou en argent. Mais une femme qui reçoit la vie. La femme, n'est-elle pas un merveilleux réceptacle? Ensemble, nous vaincrons. Vive vous, vive moi, vive nous et vive